Qui a vu le match? Je répète ma question. Qui a vu le match? Si tu as vu le match, je te demande de te manifester au nom de Strasbourg. Parce que là, je suis à Strasbourg. Les murs sont fins dans cet hôtel. Donc là, si je commence à crier, on va me faire dormir dehors. Donc, si tu as vu le match, je te demande de te manifester. Surtout, surtout ceux qui étaient dans le dernier live et qui m'ont prédit la défaite du Paris Saint-Germain. Où es-tu? Où étais-tu? Manifeste-toi, je vais t'entendre tout de suite. Allez, envoyez des likes. Avant que je commence ma prestation, je veux un maximum de likes, un maximum d'étoiles, sinon je dis rien. Là, il y a écrit 0 étoiles. Je vais rester sur qui dit le match, qui a vu le match, tant que j'ai pas des étoiles qui commencent à arriver. Voilà. Aujourd'hui, je fais la grève. Il y a des likes, c'est bien. Envoyez des likes. C'est ça. Là, là, je sens l'émotion, là. Là, je sens les gens qui veulent voir que ça va péter. On va me licencier de l'hôtel ici. Oh, les likes. Envoyez des likes. Oh, les jaloux. Ce débrief est pour vous. Bon. Alors, nous allons débriefer ensemble la victoire. T'as entendu? 9 confrontations en Coupe d'Europe contre la Juventus de Turin. Première victoire ce soir. Nous allons débriefer la victoire du Paris Saint-Germain. 2-1 face à la Juventus. La vieille dame. Hein? Alors, ça fait... C'était la galère quand même un peu des fois. Hein? Au forceps. Mais c'est, tu sais, c'est ça que j'aime. Le football, ça se joue à deux équipes. Tu joues pas tout seul. Mais si t'as regardé le début du match, oh putain, on était tout seul. Oh, la Juve est tombée sur un entrepreneur dans le BTP qui a raflé le marché de la reconstruction de Notre-Dame de Paris, de la vieille dame, quoi. Non, frère, ils ont pas vu le ballon, mais ils ont vu flou. Je sais pas s'ils avaient mangé des pâtes à la carbonara avant de venir, mais frère... Oh, la Juve a dit, bon, on va quand même respecter le Paris Saint-Germain, mais une maîtrise du ballon, comme si nous étions en train de passer le BEP, alors qu'on avait le niveau d'un doctorat en sciences politiques. Nous étions dans le déferlement de la parole, le ballon qui va là-bas, même Kimpembe, frère. Kimpembe qui est souvent le mauvais élève en termes techniques, même si on sait qu'il a des capacités. Mais là, frère, c'était Ronaldinho dans les premières minutes, pendant les 15 premières minutes, frère. Mais tout le monde avait du jus d'orange pressé, innocent sur le pied. C'était nous! C'était nous, frérot. Et à la 6e minute, Neymar, des fois, avant d'affronter des gens, renseigne-toi sur leur famille. Essaie de savoir s'ils sont pas en instance de divorce ou si à la maison ça va bien. Est-ce que leurs enfants ont fait une bonne rentrée? Est-ce qu'ils sont pas fâchés contre papa parce que contre la Fiorentina c'était la galère et tout? Pourquoi tu fais ça, Neymar? Pourquoi tu demandes pas? Tu as fait de louche. Oh, tu as fait de louche. Je sais pas si... À cause de toi, ils ont eu un strabisme pendant 5 minutes, mais t'as fait une louche, frère. C'est-à-dire que ils étaient chez l'ophtalmo, Massimiliano Allegri, Guili, leur entraîneur Guili. Pendant que t'as fait la louche, il y a un flelou qui est venu pour lui faire réciter l'alphabet à 15 mètres. T'as fait un 1-2 avec un... Je t'explique, en fait. Donc, on est dans une maîtrise totale. 6e minute. Mbappé côté gauche, il lui fait la spéciale, le 1-2. Donc nous, on sait qu'il va faire 1-2. Donc tout le monde essaye de suivre Mbappé, mais on voit Neymar, il ne passe pas la balle. Alors,
Mbappé passe dans le dos des défenseurs et Neymar fait une louche comme s'il était en train de préparer un bœuf bourguignon à la brésilienne. On était dans Ratatouille. On était ému. Une louche, frère. Mais à cause de toi, il y a des maris qui vont devoir dormir sur le canapé, les mars. Tu fais pas ça à la télé, premier match de Ligue des Champions. Tu fais pas une louche pour faire une passe décisive parce que là-bas, la louchée, elle avait des lunettes. Chin-chin. C'est tombé sur le pied d'Mbappé qui la reprend en volée. Tu sais, les vieilles volées mal faites de FIFA 2000, tu dis qu'un joueur ne peut pas frapper comme ça. Mbappé l'a fait, frère. Et c'était joli. Oh, c'était joli. 1-0. Mais quelle arrogance, quelle manipulation. Mais la manipulation des ombres, Shikamaru. Mais nous avons manipulé le ballon comme si nous étions propriétaires de l'UEFA, comme il y avait l'autre là, le président de la Juventus qui veut faire la Super League. Mais frère, là, on l'a bloqué sur sa chaise, frère. Il s'est brossé la moustache avec l'ombre du ballon de la louche de Neymar. Même lui, il a bandé devant un Nasser. Qui aime pas ça. Mais il a eu. Voilà ce qui s'est passé. 1-0, et puis on continue, frère. Et puis à un moment donné, la Juve se rappelle que c'est un grand club d'Europe et ils commencent à nous faire peut-être pas chier, mais. Moi, j'avais pas peur. Dans le milieu de terrain, il y avait Paredes. Frère, je me suis dit, oh, Paredes, c'est escroc. Puis, ouais, comme ce connard, il commence à garder le ballon avec Rabiot. Ça commence à jouer un peu et tout. Il commence à nous emmerder pendant au moins 5 minutes. Jusqu'à un moment donné, il faut un centre là, et il faut une prouesse de Donnarumma pour pas prendre le but. Là, je me dis, ah, ok, ça va jouer au foot. Et allez, nique ta mère! On leur met derrière un but. Mbappé qui a décidé de faire le multi-clonage et partout sur le terrain. Quand il met le premier but, il est à gauche. Quand il veut mettre un deuxième but, il est à droite. Il commence à faire des 1-2 avec Verratti. Hakimi le suit. Ils arrivent au niveau de la surface. Verratti remet à Hakimi à l'entrée de la surface. Hakimi la remet à Mbappé et il met une frappe devant tout le Piémontais. Le Piémontais, c'est l'Île-de-France de Turin. C'est-à-dire que Turin, c'est la capitale du Piémontais. Si t'as joué à PES2, si t'as joué à Pro Evolution Soccer 2, si t'as joué à International Pro Evolution Soccer 2, tu connais le Piémontais. C'était la fausse Juventus. Mais à la base, c'est une région, Île-de-France. C'est-à-dire qu'il y avait tous les habitants du Piémontais sur Mbappé. Il a dit, j'en ai rien à foutre de vos pâtes à la carbonara. Il a taclé le ballon comme s'il était Lilian Thuram en 98. Petit filet, mais d'où viens-tu que cherches-tu, Kylian? Oh! 2-0. Et puis après la Juve vient de temps en temps. Et puis Messi quand il jouait avec Neymar, parce que je n'ai même pas parlé de Messi, frère. Messi, il était dans un récital. Lui, il était à l'opéra, lui. Lui, il était à l'opéra Garnier. Il était là, allez, allez. Il faisait la valse. Un petit peu de rumba par-ci, par-là avec Neymar, des talons. Oh, c'était beau. Et la Juve, ils étaient quand même un peu chiants, mais c'était beau. Et deuxième mi-temps, on arrive et tout. Ils font des changements. Ils mettent un joueur au milieu de terrain qui est chiant, qui s'appelle McKinney, McDonald, Big Mac. Big McKinney, là, puis ça change tout. Ils passent à 4 derrière. Ils sont chiants. Ils sont chiants, mais on s'en fout parce qu'on a Messi, frère, à un moment, côté droit. Je sais pas si c'est Bonucci, si c'est Rabiot, si c'est ton frère, si c'est le maire du terrain qui est sur son dos. Je tiens à te rappeler que Messi fait 1m2. Il ne peut pas faire l'Hyperspace Mountain. Il ne peut pas faire la nouvelle attraction de Spider-Man à Walt Disney Studios. Il est tout petit, mes frères, avec la prépa qu'il a fait, l'acceptation de son mariage afghan avec le Paris Saint-Germain. Il est guéné, le mec. Il mange des macroutes tous les jours aux Champs-Élysées. Il est nul. Le mec, il est. Moi, je me suis dit, mais il va tomber. Il tombe pas. Il envoie Mbappé en profondeur. 180 km/h sur la 86. Inattrapable. Il y a Neymar qui est à gauche.
Et lui, avec son front, le problème de Mbappé, c'est qu'il a un grand front. Ça fait un casque quand il prend la moto. Quand il prend le City Scoot à Paris, Mbappé ne met pas de casque parce qu'il a un front. Donc, c'est-à-dire que des fois, sa vision, quand il met le front comme ça vers le sol, il ne voit plus ce qui se passe ici, ni sur le côté. Il y a Neymar qui arrive côté gauche, il lui met pas, il met une caca. Et là, je me dis, fallait peut-être la mettre, celle-là. Je sais pas pourquoi, même si c'est. Tu vois, on est à la 60e, j'aime pas trop ça. Je sais qu'on a Vitinha, qu'on a tout ça. Oh, Hugues, les étoiles, je te fais bisous. Et puis ça loupe pas. Corner. Et Donnarumma, frère. Je sais pas s'il a senti l'odeur de la pizza sur le maillot des Turinois et ça lui a rappelé la bonne époque, mais il me fait une sortie de balle sur. C'est-à-dire, si t'as pas vu le match, si t'as pas vu le match, frère, regarde le regard de Gianluigi Donnarumma quand il y a le corner, il fait une sortie, frère. Je pense qu'il a vu un pizza pino pas loin. C'est ça que je pense. Il me fait une sortie de merde. Je sais pas s'il pensait qu'on allait le fouiller parce qu'il vendait du shit à la mi-temps. Il lève les bras comme ça, comme un con. McKinney, Big Mac, il arrive, il met sa tête. Kimpembe, Nuno Mendes battu. 2-1. Et là, c'est le combat de boxe. Là, c'est parti. Là, la Juve, ils ont dit, on est un grand d'Europe, on va vous faire chier. Mais pendant qu'ils nous font chier, nous aussi, on les fait chier, frérot. Et là, ça joue. On a même encore des occasions nettes. On doit mettre, à un moment donné, la balle dans la surface, suite à un centre de Nuno Mendes sur le pied de Neymar. Une frappe inarrêtable. Perrine l'arrête. Mbappé seul face au gardien. Il rate. Donc, on aurait pu plier le match 3-1, mais on termine à 2-1, fin du match. Première Ligue des Champions. On confirme notre statut, qu'on est bon et tout ça. Qu'on est capable de boxer, faire le dos rond. Vitinha, super. Très belle entrée de Danilo. Carlos Soler, il est arrivé, il provoque un coup franc. Non, il y a un gros. Et puis Ramos, depuis qu'il a changé son mollet, là, qu'il est parti à la boucherie. Boucherie, là, de je ne sais pas quel quartier, dans le 11e. Ça marche bien. Ça marche bien. Donc voilà, on a débriefé un peu le match. Donc venons, on parle un petit peu. Qu'est-ce que vous avez pensé du match? Qu'est-ce que vous avez pensé d'Mbappé quand il ne la met pas? Neymar, putain, tu m'as énervé avec ton front. Mais sinon, non, dans l'ensemble, c'était un bon match. Allez, venez, on parle rapidement. Surtout ceux qui ont dit qu'on allait perdre. Il y en a un là, je ne me souviens plus de son nom. D'ailleurs, je vais le bloquer. J'espère qu'il n'a pas intervenu dans ce live. Parce que toi, tu dois retourner chez ton front. Il y a Yvan Ben. T'as pensé quoi de Messi? Il n'a pas été décisif dans les deux buts. Il a touché du ballon, mais il a été bon, frérot. Oh, merci Isaac, Kalanda, les étoiles. Toi, tu vas vivre très longtemps. Mais il a été bon. Il est sorti sous les ovations parce que c'est un facteur plus. Sans être décisif, il est décisif. Là, le Messi, là, oh, ça fait du bien. Sonnel Souverain, qu'est-ce que tu penses de la forme de Neymar? Oh, c'est fort. Là, Neymar, je sais pas ce qu'ils ont mangé, là. S'ils ont mangé du Red Bull en purée, c'est quand même. Si Neymar est comme ça, il est injouable. Il va vite, il lâche vite le ballon, il temporise, il fait les efforts. Des fois, il a fait des courses pour essayer de gêner le porteur du ballon adverse. C'est super, c'est ça qu'on veut, les gars. Lionel Landou, qu'est-ce que tu as pensé de Paredes? Je suis très content qu'il soit parti. Voilà ce que j'ai pensé de lui. Très très content. Amadou Sow, Donnarumma doit aller sur le banc quelques temps, je te jure. Je te jure, frérot. La sortie qui te. T'as pas le droit. Tu remets la jupe sur les bons rails, toi-même, tout seul. Tu m'énerves. On va me tirer de l'hôtel pour le. Flo
Florent HD, Nuno Mendes, c'est quand même du solide. C'est très fort, Nuno Mendes. Pour moi, Nuno Mendes, c'est plus fort qu'Hakimi. Même si Hakimi est très bon et qui fait la passe D pour Mbappé, Nuno Mendes. Parce qu'on est bon avec les deux là. On est bon. Mais Nuno Mendes, avec sa coupe de Georges Weah en 94, quelqu'un qui s'en fout des préjugés des gens. Parce que pour faire cette coupe, il faut l'assumer. Non, c'est un très bon gars. Alors, Franklin Maxwell, toi, tu mérites d'avoir une diarrhée aiguë, frérot, parce qu'il n'a pas été nul à chier. Il n'a pas été décisif, mais il a été bon, correct, ce qu'on veut. Il est bon, il est bon, laisse-le. Quand c'est un connard, faut le dire. Mais quand il est bon, faut le dire aussi. Il n'a pas été transcendant, ça n'a pas été un génie. Mais je te jure, juste par rapport à cette passe qu'il fait Mbappé, comment il a courbé son dos comme Quasimodo dans Notre-Dame de Paris. La version de Plamondon, hein, pas la version de Disney. Parce que t'as vu comment il s'appelle l'autre là, l'interprète de. Ouais, Garou, c'est ça. Garou avait le. Hein, le. Non, non, non. Juste pour ça, c'est super. C'est super. Edin Charles, Galtier validé. 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 Alors, Laurent Verlaine, Danilo, comment il fait pour jouer avec la concurrence qu'il y a? Je comprends pas. Bah, tu comprends rien au foot, frérot. Parce que Danilo, s'il apporte, frérot, il est rentré à la place de Vitinha, tu vois. On a un effectif pour faire de la rotation et avoir un joueur comme Danilo, c'est très bon. Et il a été bon. Tu veux quoi? Tu veux le jeter dehors? Hein? Non, il est bon. Et quand t'es bon, eh ben on te donne ta chance et Christophe l'a fait et il lui rend bien. Donc arrête de dire n'importe quoi alors. Eh, Oumar Sall, Paris est nul. Un jaloux. Oh, le jaloux. Toi, tu as perdu des kilos là. T'as bu de l'eau ce matin? Bois. Parce que tu vas perdre des kilos. Jaloux. Abel Henderson, énorme match de Verratti, comme à son habitude. Moi, ce que je kiffe, c'est quand il récupère les ballons en tacle. Qu'est-ce que c'est bon, frérot, quand il fait ça. Oh là là, une sauce béchamel, bien. Oh là là, le gars est bon. Pierrot Bordelais, Mbappé est bon, mais il énerve quand même. Ah oui, il énerve quand il fait pas la passe pour Neymar, pour le 3-1, il énerve. Mais c'est un buteur, il pense au hat-trick, c'est normal. Tu vois, il est dans la. Même si ça nous énerve, mais. Ouah. Il met deux top buts, frérot. Il est pardonné. Lionel Landou, Kimpembe, tu l'as insulté contre Nantes, dur sur l'homme. Non, mais là, tant mieux. Il a fait un super match, je le dis. Je le dis. Là, Vlahovic, il l'a mis dans sa poche. Je le dis quand il m'énerve, mais je le dis quand il est bon. Kimpembe, tu as été bon, papa, je le dis. Voilà. Voilà, on a parlé un peu, hein. On va dormir. Franchement. Regarde-moi, c'est jaloux. Nul, Danilo. J'espère qu'il va avoir la diarrhée lui aussi. Brice Mahé, que penses-tu de la deuxième mi-temps mitigée? Mais c'est ça le football, c'est ça que j'ai dit. T'étais pas là en début du débrief, frère. Le football, c'est des temps forts et des temps faibles. Tu ne peux pas être tout le temps sur les temps forts. Tu auras des moments où si t'as une équipe qui sait jouer au football, qui est capable de se remettre en question, qui va te faire souffrir. La Juve a réussi à nous faire souffrir, mais on a répondu. Ils n'ont pas eu d'occasion nette, à part le centre là où Donnarumma fait un exploit. Et la faute de Donnarumma, tu vois, le yin et le yang, ce mec-là. Je sais pas s'il n'a pas des origines asiatiques, un connard. Et le but qu'ils mettent. Sinon, il y a air, frère. À un moment donné, vite fait, Locatelli, là, Locatelli qui fait de la rumba là, dans la surface, vite fait. Mais sinon, ils ont rien eu. Ils ont eu des frappes cadrées, mais rien de ouf. Donc, non, le football, c'est ça. C'est pas une mitigée. C'est la Juve a changé de système. Ça a été un peu truc, mais on peut les tuer, je sais pas combien de fois. Hein. On peut les tuer, je sais pas combien de fois. Au moins deux fois net. Voilà. Allez. Moi. Je suis à Strasbourg, j'ai tout niqué sur la scène, et là je vais aller bien dormir. On se fait la bise et on se dit à bientôt. Ciao, ciao.